on se retrouve pour réaliser un sérum pour le visage. Alors ici, je vais réaliser un sérum pour les peaux très sèches. Les huiles seront à adapter en fonction de votre type de peau. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser 3 huiles, vous pouvez très bien utiliser une seule et une seule huile essentielle. Alors tout d'abord, avant de commencer, ce qui est important de faire, c'est de désinfecter tout son matériel avec de l'alcool à 70 degrés. Si jamais vous n'avez pas d'alcool et que vos contenants sont en verre ou en inox, vous pouvez les faire bouillir. Je vais commencer par mesurer toutes mes huiles. Donc je vais mettre 10 ml de chaque huile comme j'ai un contenant de 30 ml. Je mets 5 gouttes d'huile essentielle. Puis je mets de la vitamine E pour éviter le rancissement de l'huile, ce qui va permettre de garder le sérum plus longtemps. Transvaser le sérum dans ce contenant, mais si jamais vous n'avez pas de flacon comme le mien, vous pouvez très bien réutiliser un flacon que vous avez chez vous ou même un petit contenant, ça ira très bien. Et voilà, votre sérum est prêt. On n'oublie pas de mettre une étiquette dessus avec la date de péremption. Donc ce sérum, il peut se garder jusqu'à 6 mois. Alors je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette semaine.